Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce nouvel épisode de Civilization 5 Salty. Oh yeah! Donc je m'excuse pour la semaine dernière, c'est entièrement ma faute, j'étais malade comme un phoque, donc je n'ai absolument pas pu tourner de vidéo. Voilà, ça c'est pour vous expliquer pourquoi la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, parce que c'est vrai que c'est entièrement ma faute. Bon, alors il nous faudrait penser à escorter un petit peu nos troupes, parce que clairement là le mec il a pris beaucoup de bateaux. Autre chose les gens, j'ai été voir quand même parce que certains de mes abonnés ont eu l'honnêteté de m'en parler. Il apparaît que vous spoliez ce que je fais à Learn to Play. Certains veulent me spolier ce que fait Learn to Play. Personnellement je refuse de l'écouter, d'en tenir compte. Mais là j'ai pas pu faire autrement parce que clairement vous avez vendu la mèche à bande de mécréants. Et donc ça je trouve ça clairement pas correct. Pas correct du tout. Hein, que ce soit clair, là, sur ce coup-là, je trouve pas ça correct du tout. Toi, tu vas faire juste le cuirassé à vapeur. Alors, mes piquiers, ben, ils restent là. Pour l'instant, mes piquiers, eux, ils se positionnent. Ils se fortifient. Lui, il reste là. Frégate le protège, lui protège. Lui, il va arriver par là-bas. Le navire marchand. Alors, le navire marchand, on va éviter de faire commerce avec Fess. Hein. On va aller voir Osaka. Voilà. Il y en a d'autres, il y en a toujours d'autres. Il y a une caravelle ici. Qui va arriver par ce côté-là. Toi ici. En fait, on va vraiment essayer de faire une invasion depuis Hong Kong, en avançant. On va prendre et détruire Fès, du moins essayer. Et le but du jeu, on va prendre Marrakech et s'arrêter là. Hein, ce qui lui laisse un empire suffisamment grand pour continuer à résister. Et après, bah, il fera ce qu'il veut, donc... Il y a un espion qui m'a volé des trucs. Voilà. Oh, il rapproche sa flotte, hein, le sac. Hein. Il rapproche vraiment sa flotte. Donc dans un tour j'ai l'aviation, donc là ça va être achat de bateaux en pagaille. Toi j'ai déjà acheté un truc, ouais. C'est dommage. Autre chose à faire ici aussi. Vous voyez ici j'ai des troupes en vert qui chôment, qui foutent absolument rien. Allez la Gatling, elle vient là. Toi tu restes là du coup. J'aimerais bien que tu me produises des troupes militaires, mais je peux pas toi. Hein. Toi je peux pas. Hein. Je peux rien faire avec toi. Bon, tu me produiras des unités militaires quand on sera en guerre de toute façon. Alors ça on s'en moque. Ah ouais, Bogota a acquis du pétrole et donc j'ai ce pétrole, ça c'est good ça. En pied une route commerciale. Mon âge d'or vient de prendre fin. Ah j'en ai encore dans longtemps au final. Et ça ici c'est quoi? C'est un fusilier. Accidenté et choc. Voilà, pour commencer. Et les gars, ben, je peux passer le tour. Hein, voilà. Hein. On peut voir la belle ligne de bateau ici, là, qui doit lui faire un peu peur, je pense. À mon ami Learn to Play. Donc je passe ce tour-là, j'acquiers l'aviation. J'achète deux bombardiers ici et ici. Encore un tour et on déclare la guerre. Là, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas photo. Et le but du jeu sera de débarquer à Marrakech, hein, clairement. En prenant Fès, bien entendu. Ah ouais, ouais, on veut Marrakech. Là, je veux dire, il n'y a pas photo, on veut Marrakech. Bon, mon petit ami Learn to Play, je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. Ouais, je commerce quasiment qu'avec le Maroc, c'est pas bon ça. Ouais. Ouais. Ah, ça va lui faire un trou dans le budget hein, quand on va arrêter le commerce. Hein. Oh, oh. Ah, il déplace sa Gatling, peut-être ici, je sais pas ce qu'il fait. Ah, ça y est, le tour passe. Donc ça, bien entendu, vous vous en doutez que ça va tomber grave. Hein. Ça va faire un flop. Je dirais même. Hein. Et on a découvert l'aviation, les gars, l'aviation, donc on va pouvoir acheter quelques petits bombardiers.
promotion d'unité. Alors on va le spécialiser, unité terrestre lui. Ça coûte cher, je vous l'accorde. Mais c'est nécessaire. Et on va augmenter sa portée. Voilà. Alors ensuite, donc dans les technologies, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, les pièces de rechange. Ah oui, le petit truc. Vous avez découvert l'aviation. Voilà. Là. Ok. C'est good. C'est good, c'est good, c'est good. Est-ce que t'y arrives pas là-bas encore? Toi, t'y arrives, mais tout juste. Et là, t'y arrives aussi. On va venir lui tenir compagnie. Voilà. Il doit se demander ce qui va lui tomber sur la gueule quand même, parce que des unités j'en ai autant que lui au niveau maritime. Il doit vraiment se demander ce qui va lui tomber sur la gueule, le Learn. Ah, j'aime bien moi ça. Ah, t'es là toi? Cool. Allez, viens là. Toi aussi, viens là. Ah, désolé, hein, rapprocher les unités et ce qu'il y a de plus long. Toi, tu vas venir dans le coin, là, par là, histoire de pouvoir attaquer Fest de coup, là, paf paf. Mettre un petit coup de pression, comme ça, c'est cadeau. Et là, Learn, je l'envahis de bateaux. Il faudrait penser à garder un petit peu d'argent, mais bon, pour l'instant, clairement, la victoire de la mer, c'est le plus important. Voilà. Toi, tu vas rester là pour l'instant. Toi, tu restes là pour l'instant. Toi, tu te mets en place, mon gars. Voilà. Toi tu restes là. Tu restes là. Ça, il n'avait pas prévu de voir une légion étrangère débarquer sur son pays. Il commence à faire quelques unités, il commence limite à devenir inquiétant. Allez, on passe encore ce tour là et on déclare la guerre. Sans aucune autre forme de respect. Ah ouais, ouais, là il va y avoir la guerre là. Je suis sûr qu'il a envie de me la déclarer ce sac, mais j'ai gardé des points d'action sur toutes mes unités exprès. Donc et ça il ne le sait pas. Hop là, ça n'a aucune raison de rester là, il faut que je les amène ici maintenant. Faudrait que mon ouvrier fasse vraiment un chemin de fer qui va jusque là-bas, mais bon, c'est trop loin. Et ça me fait surtout dépenser trop d'or. Hein, clairement. Allez mon petit Learn, passe le tour, va, vieux sac. Donc naturellement, Milan et Mombasa vont également y déclarer la guerre. Je vais essayer de faire en sorte que soit Carthage, soit le Japon lui déclare également la guerre. Histoire d'avoir une guerre totale contre lui. Hein, purement et simplement. Sans aucune autre forme de respect. Parce que voilà, clairement, c'est pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, bah, c'est ce que j'ai envie de faire. Allez, passe le tour, vieux sac. Il aurait fallu que je place un espion sur Marrakech.
Ah, il fait des sous-marins. Ah ah. Ah, c'est pas ça qui va me faire peur, va. C'est vraiment pas ça qui va me faire peur. Ah, ça y est, il a passé le tour. Carthage qui se trouve là-haut. Ah, il rapproche des unités, il est rigolo. Ah, il peut pas, putain. Ah, il veut pas. Je peux pas le réaffecter à ici. Dommage. Bon, bah, du coup, j'ai acheté un bombardier pour rien. Alors, on va le laisser bouger un petit peu, les gars. Hein. Purement et simplement. Bon, déjà lui, on sait que c'est mort. Et lui aussi, on sait que c'est mort. Donc je ne pourrais pas faire en sorte que les IA déclarent la guerre à l'arme touplée, c'est bien dommage. Ça m'aurait bien bien arrangé, mais ils ne veulent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de vie, les gens. Et là, on y voit popper des unités dans tous les sens. Il doit pas comprendre, sans déconner. Il doit pas comprendre comment j'ai fait pour faire toutes ces unités, je pense. Toi, tu vas rester bien au-dessus. Ah, mais toi, du coup, tu sers à rien, là, garçon. Tu peux rien faire, encore que si tu peux défendre Venise, à la limite. Allez, va, reste là. Oh, intéressant tout ça, vous avez vu ça un peu? Ça va être un carnage cette histoire. Cette histoire va être un carnage, hein, les gars. C'est, clairement, ça va être un carnage. Allez, les gars, il est temps. Je peux pas lui déclarer la guerre comme ça, je pense. C'est pas ça que je veux. Je peux pas lui faire une vraie déclaration de guerre sans déconner. Il a que 80 or. Il a 87 or par tour. Allez, il est temps, les gars. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous hein? Moi je dis il est temps. Moi je dis il est temps. Elle ça va. Il manquera peut-être un petit peu d'or en bas là, mais j'en remettrai plus tard. Moi je dis les gars, c'est bon, c'est suffisant à m'armer. Il est temps. Oui, alors comme je dis ça... Learn to play. Par la présente. Votre ça présence va. Sur ce continent est une aberration. Laissez-moi la corriger. En ce jour de terreur et d'obscurité, je vous déclare la guerre! Ah merde, je croyais que t'allais dire je vous déclare mari et femme. Va te faire foutre, vieux sac! Oh putain, attends, je comprends rien ce qui se passe. Oh putain, attends, je comprends rien là. Ah ouais, ah, non, tu crois peut-être que j'allais te laisser comprendre quelque chose, mon gars. Attends, là, je veux dire, y'a pas de respect! Ouais, c'est n'importe quoi là, il y a tout qui... Il y a pas de respect. Mais genre, et moi je peux pas attaquer puisqu'on est dans le même tour, on fait comment? Tu te démerdes mon gars, j'en ai rien à foutre moi de ta gueule. Ah, depuis le temps que j'attendais ça. Donc ça c'est fait. Les piquets, je les voyais depuis le début. Je me disais putain, ils font chier. Bon là, c'était sûr en même temps. Putain, ça fait mal la légion étrangère. Ça fait mal, la légion étrangère, elle va te merder, mon gars.
Ah, là, t'as beaucoup trop d'unités, ça va pas. Hein. Ah non, non, ça va pas du tout. Là. Et puis t'as vu ça, je commence direct à progresser, quoi. Ils peuvent transporter des unités, les mecs, là? Non, 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 tout ça, c'est ce que je ramène par différents côtés de la mer. Mais genre, les cuirassés, là, ils peuvent transporter des unités. Non. Bah, pourquoi c'est sur le même... J'abrite mes unités en les mettant sur les cuirassés. Ah, bah oui, je suis con, oui, c'est... Bah oui, t'es con, mais ça, on le savait déjà. Bon, allez, on verra, on verra quand est-ce qu'on se reparlera, Learn to Play. En attendant, je vais t'annihiler. Oh yeah! Oh putain! Sound, et voilà, ça les gars, ça vous voyez, ça c'est de la déclaration de guerre où je m'y connais pas. Oh putain, ça fait tellement plaisir, ça fait tellement du bien. Ah, je peux pas aller le voir lui, hein. Il en a pris tellement plein dans la gueule. Je vais racheter un bombardier parce que j'ai vu que c'était bien efficace. Il a rien compris à ce qui lui arrivait et ça c'est trop bon ça. Et ça, c'est trop trop bon, ça. Ça, les gars, moi, je vous le dis, c'est trop trop bon. Du coup, j'ai pas préparé d'attaque directe sur Marrakech. Peut-être ces deux-là, je vais les envoyer se balader sur Marrakech, je sais pas encore. En attendant, ces trucs-là, c'est bien bien résistant, hein. Et je les découvre que dans 6 tours. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et on passe le tour. Oh, le bombardier! Oh, le bombardier! Haha, il me bombarde à moi. Oh le bombardier les gars, un bombardier sauvage est apparu. Donc forcément il y a les vengeances hein, qui se mettent en place, hein. Il s'en est en train de se détruire tout seul mais c'est pas grave. Hein. Hop là, il y a un bateau qui m'a coulé là je pense. Ouais, l'unité a été éliminée. Forcément. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'espère franchement que vous avez apprécié l'épique de la déclaration de guerre. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, purement et simplement. Parce que voilà, on a raté notre guerre sur Civilization, la première série. On a raté la guerre sur Beyond Earth. Là, sur ce coup-là, on ne pouvait pas faire autrement que de se faire une bonne grosse guerre des familles. Parce qu'il n'y a pas de respect. Par contre, clairement, sur certains bateaux, là, c'est le premier qui attaque qui gagne. Je vous le dis les gars. Allez Learn, passe le tour vieux sac. Oh j'ai mal à la gorge. Vous voyez c'est pour ça que je pouvais pas tourner lundi dernier. J'avais vraiment envie de garder tous les pics de ma voix, tout ça, parce que sinon ça l'aurait pas fait quoi. Si je parlais comme un aphone, comme un quadragénaire sous oxygène quoi. Et eux là du coup ils vont attaquer aussi hein, logiquement. Ah, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de respect. Hein. Mais je pense qu'il a pas vu mes deux unités là. Allez, c'est le moment ou jamais. Ouais, mon piqué, on s'en fout du piqué quoi. Allez, 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 allez. Passe le tour. Ah, il peut pas débarquer encore. Lol, ça se tire dessus dans tous les sens. C'est juste énorme. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, c'est un abonné qui me parle ça. Faudrait que j'aille voir ce qu'il dit juste après.
Ah, encore un de mes bateaux qui a coulé, je pense. Non, c'est moi qui l'ai coulé, yes! Les deux unités de légion étrangère que j'envoie totalement au suicide. Oh putain, parce que ça me fait plaisir. Il doit être super mal au niveau de l'or là. Ah, il gagne encore de l'or, ça va. Ah, du coup, il bombarde ça parce qu'il voit ça arriver. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Donc ça, les gars, c'est une diversion, hein, purement et simplement. Hein. Le front est ici, clairement. Et ça, c'est une diversion. Du coup, il permet à mes unités de débarquer, c'est cool. Voilà. Alors, toi, tu vas là. Toi, pour l'instant, tu vas là. Donc, vous voyez que sur le plan de au point de vue... mais laisse-moi tranquille, toi. Tu m'excuseras, mais j'ai des bombardiers à bouger, là. Voilà, quoi. Et ça, ils le savaient pas, leur duplé, que j'avais là, j'avais les bombardiers. Allez, viens ici, toi. Ouh, il a pris un coup sur l'aile. Donc toi, tu vas approcher juste ici, là. Comme ça, prochain tour, je te débarque juste à côté de fesses. Parce qu'il n'y a pas de respect, donc toi t'exploites du pétrole ici, c'est good. Qu'est-ce que je vais te faire faire à toi? Qu'est-ce que je vais te faire faire à toi? Tu vas venir là, tu vas faire un truc, n'importe quoi, on s'en fout. Alors ici, une construction, les gars, qu'est-ce qu'on veut? Ben nous, on veut des... on aimerait avoir des bombardiers, mais le problème, c'est qu'on peut pas les trimballer jusque là-bas. Tiens, fais-moi un navire marchand en attendant. Ah, on a un peu planté là, moi. Voilà. Attendez, c'était quoi ça? Ah ouais, normal. C'est normal, les gars. Yes. Le piqué de l'amour. Il a des cités-états alliés, Learn to Play? Comment ça se... Non. Non, mes cités-états alliés à moi, on déclare la guerre à Learn to Play, on est d'accord. Hein. Ouais. Alors ici, tu me lances un petit navire marchand parce que l'air de rien, l'or va commencer à manquer, d'accord. Toi, t'es en train de te rapatrier. Ok. Donc déjà, au niveau de la mer, je suis content. On a la domination. On a clairement la domination maritime. L'invasion au niveau de Marrakech, ici, ça lui met juste un petit coup de pression. Puisque toutes mes unités sont là, principalement. Hein. Faudrait que je les préserve, de les mettre en première ligne, celle-là, mais c'est pas grave. Hein. On va essayer de s'occuper de ces unités-là. On va commencer par prendre Fès directement. On a tout ce qu'il faut pour le prendre. On a suffisamment de Gatling, on a suffisamment de canons, on a des bombardiers, on a tout ce qu'il faut. Et on peut passer le tour du coup, hein, voilà, hein, sans aucune autre forme de respect. Oh, c'est pas grave, dis donc, on s'en fout. Comme l'an 40. Un personnage illustre, d'accord, ouais. Alors, le marchand illustre, mon gars, tu vas dégager de la guerre, vite fait. Hein, parce que j'ai pas envie de te voir là, mon gars, toi. Donc, les bombardiers, on va commencer par bombarder un petit peu fesses ou pas? Non, on va être cher. Voilà, ça c'est fait. Tiens, les piquets useless, on va les envoyer au suicide. Il doit rigoler que j'utilise mes piquets sans déconner. Attends, on va te suicider. Voilà, on va poser un peu plus d'adversité en face. Je sais pas si on a, je sais vraiment pas si on a assez d'unités. Hein. Parce qu'ici Marrakech c'est une attaque risquée. Mais on peut piller.
Gatling ici, bien sympa. Toi, on t'a dit, tu dégages, mon gars. Alors, les bombardiers de la Grande Guerre qui sont là, ils vont pouvoir commencer par achever cette unité. Ah, elle est pas morte. Ah, la chienne, elle est pas morte, quoi. J'ai pas assez d'unités, les gars. Clairement, je pourrais prendre Fès, mais je pourrais pas prendre Marrakech. Hein. Alors, attendez. Par contre, il me faut faire vite fait un truc. Dis donc, hop là. Échanger. Ah, j'ai plus rien. Elle offre plus rien. La chienne. Ah, purée, ils sont chiens à pas avoir de ressources de luxe. Ah, elle va te faire voir, quoi. Parce que j'ai plus beaucoup de bonheur, mais j'ai pas le choix, hein. Je vais devoir... Ouais, il m'envoie un truc. Ouais, elle va te faire foutre. Hey, il me bombarde, hein. Et là, ces unités, en fait, le but du jeu, c'est d'y piller un maximum de trucs, de le faire sombrer dans le malheur. Purement et simplement. Bah écoute, fais-moi d'autres fusils, et de toute façon on peut faire que ça. La technologie on l'aura que dans 4 tours. Toi pour l'instant tu peux rien faire ma fille. Toi tu vas venir ici voir ce qui se passe. Parce que je veux absolument avoir une vue de ce qu'il fait. Et de ce qui arrive, ça pourra à la limite distraire un petit peu ces bombardiers. Ça on en a rien à faire nous. Oh le sous-marin! Oh les gars, le sous-marin là, attention! Oh le sous-marin! Oh le vieux sous-marin qui se planque! Il y a ça ici aussi là qu'on va pouvoir faire débarquer maintenant. Il a rien ici, s'il a du poisson les gars. On va lui piller le poisson. Alors le navire marchand, donc toi tu vas aller voir Tokyo mon gars, parce que ouais, on a plus beaucoup d'or là. Faut absolument remonter. Toi, bah toi tu fais un comptoir de commerce, ne m'embête pas. Alors les bombardiers. Ah là là, ce qu'on aime. Tu vas achever cette unité, j'ai pas envie qu'il la soigne. Et après on va pouvoir commencer l'attaque de Fès. Et après on va pouvoir commencer à attaquer Fès, clairement. Je peux pas y aller là? Non, il se passe. Toi pour l'instant tu bouges pas mon gars. Voilà. Alors est-ce qu'il a des ressources maritimes ici? Non, il n'a pas de ressources maritimes. Il a uniquement du poisson ici. D'ailleurs il va s'inquiéter de voir mon bateau ici le piller directement. Rien que pour l'embêter sur son bateau de pêche, parce que je sais qu'il déteste quand je pille ses bateaux de pêche. Et je trouve ça juste excellent, moi, de piller ses bateaux de pêche. Ah, il s'est bien débarrassé de mes unités ici, hein, par contre. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il est solide, le Learn to Play. Il est solide, hein. Moi, je vous le dis, la guerre, elle va être longue. Hein. Je suis vraiment pas sûr de gagner. Là, j'y mets un bon coup de pression, déjà. Mais je sais qu'il a des sous-marins, maintenant. Ah, ça m'embête, ça. Il faut absolument que j'arrive à prendre Marrakech, les gars. Il faut absolument que j'arrive à prendre Marrakech. Toi tu pilles ça direct en mode vieux schlag. Toi tu pilles ça direct et tu te casses. Toi tu te soignes. Oh! T'as raison, viens te frotter à mon canon. Naissance d'un personnage illustre.
Alors j'ai dit naissance d'un personnage illustre. K.O. K.O. Un truc militaire. Écoute, tu vas rester là, toi pour l'instant ça sert à rien. Non mais il y en a plein qui sont descendus. Ils me bombardent, mais moi ce qui est bien c'est que je pille et je me casse. Ici là. Ben je pille et je me casse. J'ai trouvé une unité qui va être plus forte que moi. Ah mais il y en a combien d'unités militaires là les gars? Le fusillé de l'amour ici qui va prendre le maximum de dégâts. Je l'embête. Déjà rien que le fait que j'ai pillé son bateau de pêche, ça doit me grave le faire chier. Ici il y a du poisson aussi, je vais aller lui piller le poisson. Ah ouais, moi je suis comme ça, je suis un vieux sac. Hein. Bon, j'ai pu voir un petit peu son sous-marin, il m'inquiète d'ailleurs un petit peu son sous-marin. Il risque de reprendre l'ascension, l'avantage grâce à ça. Mes cuirassés sont un peu abîmés. Mais putain, mais toi tu veux pas te barrer garçon là, vite fait. Hop hop hop. Toi tu vas directement ici. Voilà. Bon, les bombardiers, il est temps d'attaquer FES. Qu'est-ce qu'elles sont lentes ces unités? Déjà là il doit avoir un petit coup de stress que je commence à bombarder FES. Moi je vous le dis, il doit avoir un petit coup de stress. Là il doit pas être bien. Ouais, il doit vraiment pas être bien là. Alors toi tu vas te retrancher jusqu'à guérison. Toi, bah toi tu peux rien faire pour l'instant. Toi tu vas rester dans le coin mon chéri parce que là-bas tu peux pas y aller. Ici là je suis en train de le piller, mais tout ce qu'il faut, je vais atteindre les bananes et bientôt je sais qu'il n'en a qu'une seule ressource de bananes. Donc il faut absolument que j'arrive à l'atteindre avant qu'il arrive à buter mon unité. Directement ici là je vais piller les pierres précieuses. Voilà, ça c'est pillé. Ça c'est du pillage les gars. Hop là, voilà. Qui me parle? Qui me parle? Qui me parle? Ah mais c'est lui qui me parle. Stop, comment ça stop? Mais non, bah, ah ouais déjà, ah, déjà. Un dernier tour. Un dernier tour, allez. Allez, Learn, ce tour encore. Moi je suis à fond dans la guerre. On finit ce tour juste, allez. Ah ici j'ai la victoire là. Ici j'ai la victoire les gars, ah, on finit le tour là, on va te faire voir. On finit le tour là. Ah il faut négocier hein. Il faut négocier serré hein. Tu viens par là toi ma fille. Ah il commence à voir la défaite lui arriver sur la figure en fait. Oui. Ah oui il arrive armé là le mec. Très bien qu'il ait bombardé cette unité là, comme ça l'autre elle est à peu près préservée. Alors une doctrine les gars, une doctrine, qu'est-ce que je vais prendre? Ah. Bonheur.
plus l'intermet l'honneur, les gars, parce que là, je veux dire, il n'y a pas de respect. Toi, tu viens là, s'il te plaît, mon gars, parce que l'air de rien ici, c'est la guerre grave. Il arrivera pas à démonter ma Gatling. J'adore. Ouais, bon, c'est pas grave ça. Ah, je commence à vraiment l'embêter là. C'est bien ça que je l'embête comme ça. J'adore l'embêter comme ça. Alors, fesses. Mais c'est très bien ça. Ah, mais ça risque de coûter cher, mon gars. Retranche-toi, retranche-toi pour l'instant, mon gars. On va tout faire pour lui prendre fesses, clairement. Donc ici vous voyez que pour l'instant je ne fais aucun acte de pillage. Par contre il a vraiment un terrain pourri hein. Par contre il va me reprendre maritimement. Clairement il va me reprendre maritimement. Ici là il a du charbon, faut que j'enlève le charbon les gars, comme ça il pourra plus faire de trucs à vapeur, de mince là. Tu vas rester là pour l'instant. Toi tu vas te rapprocher un petit peu. Alors, voilà, logiquement avec moins 4, ça devrait être bien, il n'a que 3 délégués. Ça les autres ils vont jamais vouloir. Puis l'arme toque sur un professionnel, c'est pas grave, ça je m'en moque moi de ça. J'engage mes délégués, voilà. Alors une légion étrangère qui a été détruite, unité qui a pris du pex ici et ici, voilà. Toi tu relances encore une fois donc du fusillé mon gars, parce que le fusillé c'est l'avenir, c'est l'amour, voilà. Ce qui est bien c'est qu'il voit pas ma frégate ici où elle est, et là je vais pouvoir aller piller ça. Oh il y a des bateaux de pêche ici, j'avais pas vu aussi. Il est grand quand même, hein. Le sac il est très 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 grand, il est très 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 grand, ouais. Vraiment il est immense. Mais bon, ça a dû lui faire drôle de voir mes deux unités arriver là, et surtout piller ses pierres précieuses. Il ne gagne plus que 18 heures par tour, là moi j'en gagne 60 encore. Et là, il va falloir que j'achète des unités. Mais pas pour l'instant, j'attends d'avoir la technologie les gars, la technologie. Ah, toi tu fais ça. Et les gars, ben voilà, donc c'est le dernier tour, donc on passe ce tour et ça s'arrête là. Donc ben écoutez les amis, j'espère que vous aurez apprécié adopté. Yes! 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 Et là, il est baisé. Il va tomber dans le malheur le plus total, les gars. Le plus total. Le plus total! Oh yeah! Pour lui, ça va être le malheur le plus total. Donc, vous voyez, les gens, je suis loin, loin, loin d'être minable sur cette guerre. Contrairement à ce que tous vous m'avez dit, hein. J'ai réussi à attraper le learn to play, purement et simplement. Et là, maintenant, on va pouvoir vraiment, vraiment, vraiment s'éclater à se taper sur la gueule comme des bœufs. Parce que oui, là, je veux dire, il n'y a pas de respect, on va se taper sur la gueule, hop là, comme des bœufs. Il n'y a pas photo, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir regardé ce magnifique épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser beaucoup de commentaires. Beaucoup de pouces verts, tout ça, tout ça. Également à Learn to Play qui du coup me supporte à moi en train de l'envahir. Il a quand même des unités qui sont bien plus performantes que les miennes. Il a donc tout ce qu'il faut pour clairement me foutre sur la gueule, mais grave. Mais là pour l'instant c'est plutôt moi qui domine et j'en suis bien 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 content. Et donc ben, sur ce Learn to Play qui s'en va et sur moi qui sauvegarde cette partie, je vais l'appeler épisode 10. Hop là, épisode 10. Voilà. Je vous dis à très très bientôt les gens pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao les gens.